Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Guerre d'Evolution, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir sur iOS et Android. Je sais pas si vous vous rappelez du jeu sport qui était sorti du coup il y a 16 ans sur PC, DS, Wii, ce que vous voulez, je sais plus exactement sur quoi c'est sorti. Mais en fait, si vous n'avez pas connu ce jeu, en gros, de base, vous étiez une petite cellule qui doit se développer, qui va aller attaquer d'autres trucs, qui commence à se transformer vraiment en être vivant et vous allez développer des jambes, des pieds, vous allez sortir de l'eau. En fait, c'est un peu le cycle de l'évolution, si vous voulez. Vous allez arriver sur Terre, puis ensuite vous allez vous développer, vous allez pouvoir faire des croisements. Au fur et à mesure, vous allez débloquer, je sais pas, un bras, une antenne, un truc qui électrocute, un truc qui met du poison, que vous allez pouvoir mettre sur votre personnage. Et en fait, il y a ce jeu du coup qui a totalement copié le concept du jeu et qui l'a adapté du coup en sauce mobile. Donc là, le petit personnage que vous voyez qui a des cornes, c'est moi. Qu'à la base, j'ai une petite cellule, j'ai dû me battre dans l'eau et tout pour m'en sortir, développer des parties, récupérer des membres à droite et à gauche. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai des combats, ok. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ce gameplay où t'allais un peu te développer, t'allais débloquer du coup, là, il y a un arbre des gènes, donc je vais devenir une créature de plus en plus avancée. On peut aller loin dans le jeu. Et en fait, ça, c'est moi. Et vous pouvez du coup totalement vous customiser parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, bah, vous débloquez des trucs. Donc vous allez avoir, je sais pas, des yeux qui vont voir mieux, des pattes, des griffes, enfin de trucs en fait. Là, est-ce que je pourrais me mettre ça? Je peux me mettre ça. Vous savez quoi, je vais me foutre là sur le... Voilà, c'est Nicki Minaj à l'époque. Nettoyer le camp des bêtes. Et en fait, ça va, du coup, ça dépasse un peu ce truc de juste, tu te déplaces dans la nature, tu débloques des parties, tu vas te les mettre dessus. Là, il y a un aspect un peu RPG qui a été ajouté, où vous allez du coup vous battre. Hop. Et du coup, bah là, je suis en train de, je sais pas ce que je suis en train de faire, si je suis en train de débloquer ma base ou du territoire. J'ai pas lu, il s'est passé quoi avec les loups, là? Succès sera accordé lorsque la faveur sera pleine. Et bah je me suis fait des potes hein. Faut juste que je clique sur les... Non parce que là vous me prenez pour un idiot en fait. Et d'ailleurs fun fact à propos de sport, moi dans ma tête le jeu était sorti il y a 8-9 ans. Quand j'ai vu qu'il était sorti en 2008, je me suis dit... Temps passe vite. Un jeu qui à l'époque était incroyable. Attends mais il y a un moment où je dois appuyer. Ouais d'accord, donc si j'appuie quand il est vraiment dans le cercle j'ai plus de points. Ouais, j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Mais du coup, c'est marrant qu'ils aient... Enfin, c'est pas eux, du coup, c'est pas le même studio qui a fait ça. Je sais plus par qui c'était fait, sport, par Ubisoft. J'ai un doute. Mais du coup, c'est pas la boîte originelle qui a fait ça. Alors attends, là... Ah, mais donc j'ai débloqué des esclaves, d'accord. Bah on avance bien dans le délire de civilisation et d'évolution, hein. On a déjà des esclaves. Enfin, est-ce que c'est vraiment une avancée? Non. Mais on a des gens qui se battent avec nous. Voilà, on va appeler ça des camarades. Ouais, on a fait un bond dans l'ex-URSS d'un coup. Congratulations, merci. Donc sinon, le jeu a l'air plutôt classique. Mais c'est vrai que au début, j'ai vu le délire à la sport où vraiment t'étais cette petite cellule qui évolue, qui se balade, qui débloque... Enfin, qui va évoluer et qui va avoir du coup des nouvelles caractéristiques. J'aimais bien le gameplay. C'est vrai que c'est un peu dommage que ça ne dure pas. Parce que là, je suis vite passé à la phase où bah, mon personnage, il jette des cailloux, il jette des boules de feu, quoi. Donc, bon. On a fait un bond en avant, quoi. De plusieurs centaines de millions d'années, en fait. Non, mais il y a déjà même des créatures qui volent, en fait. Ah, mon jeu à freeze. Ah bah non. Bah là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Du coup, des fois, au combat, on va débloquer... J'ai débloqué des ailes de plume. Et bah, je vais pouvoir voler, hein. Directement. Je peux choisir où est-ce que je les mets, mes ailes? Ah non, ça me les met automatiquement dans le dos. Ouais, parce qu'une bestiole vivante avec des ailes sur la tête, je suis pas sûr que le taux de survie soit vraiment élevé, quoi. Et donc là, je peux voler. Trop bien. Ah, je peux pas voler longtemps, par contre. Ouais, c'est vraiment... Je suis un truc qui vole, mais un truc qui vole naze, quoi. Un petit moucheron l'été qui va vite crever, quoi. Hop. Ça ne se finit jamais, là, les combats, en fait. Je peux revoler, ok. Ouais, je découvre en même temps que vous, hein. Je découvre en même temps que vous. De toute façon, le jeu est sorti hier ou avant-hier, je sais pas. J'ai même pas vu de vidéo de gameplay, juste des gens qui disaient « Oh, ça ressemble à sport et tout !»
Et du coup, je me suis dit, bah, go tester en fait. Et le jeu est. Ouais, chez Mew, ça, non? Mais attends, mais c'est. J'allais faire une vanne, mais qui était pas du tout acceptable pour YouTube. C'est Mew, ça, non? Un peu quand même, on dirait, hein. Putain, ils ont copié Palworld. On va avancer. Ah, premier. Alors, je saurais pas vous dire combien de temps j'ai joué en tout. Mais le premier pack arrive plus lentement que d'habitude. D'habitude, c'est vrai qu'au bout de 5 minutes, t'as le pack. Là, hier, je me suis amusé à choper des trucs pour grandir et tout. C'était marrant. Mais le gameplay n'a rien à voir avec ce que vous voyez là, en fait. Du coup, j'aurais peut-être dû vous recorder depuis le début. Accueillir, bienvenue dans War of Evolution. C'est un monde merveilleux extraordinaire qui vous offre la possibilité de créer des êtres uniques et de les guider tout au long de leur croissance. Vous en évoluez, c'est une créature sauvage à quelque chose de plus civilisé. Ouais. Réparer avec succès. Attends, ça, ça grandit? Ah non, j'ai juste perdu la barrière qui était là. Ah non, il y a d'autres trucs là, d'accord, ok. Occuper l'hôtel. Ah mais on va avoir des... Peut-être commencer à avoir, je sais pas, genre des dieux ou quoi, non? Enfin, pas des dieux forcément, mais des divinités à vénérer, du moins. Parce que j'avoue que sport, moi, j'y ai pas vraiment joué à l'époque. On peut pas finir le... Ah, j'ai envoyé mon Mew, là. J'en ai mon mieux, il va tout castagne. Hop. Ok. Et là, l'autre avec le bâton, on peut pas aller le flinguer. Si. Je peux juste me renvoler en fait. Pourquoi est-ce que je m'emmerde à combattre? Ok, je crois que j'ai acheté le caillou trop loin. Ah, j'ai débloqué un truc. Ah bon, on a notre première arme. J'ai remontré le bâton sacré de notre tribu au roi. Ce spectre est un symbole de pouvoir. Vous savez quoi, je vous passe les trucs comme ça si jamais vous voulez vous renseigner. Ah mais on a déjà une arme, ok. Je peux pas faire des modifications là sur mon perso? Qui vous donne pour améliorer les effets d'attaque normaux des chefs. Sauvegarder. Je peux me rajouter des yeux. Eh hey, j'ai un bon fou là, non? Tu peux regarder devant toi et en l'air en même temps. Pas mal. Tout qui ne sert absolument à rien. Je sais pas si la personnalisation joue un réel impact pour le moment. Mais je peux me laisser mourir ou pas juste pour voir ce que ça fait. On va peut-être pas mourir là en fait. On va pas mourir, je suis un peu dégoûté. Dommage, ça aurait pu être la fin de notre espèce, notre civilisation et de tout. Ok, c'est marrant qu'ils aient ajouté un petit côté RPG comme ça au jeu sport de base, qui n'est pas sport, je tiens à le rappeler. Mais comme ils ont pompé le truc. Voilà quoi. Ah, le free est en anglais évidemment. Non, jure, il y a du gacha. Je vous jure, je me suis pas fait spoil, je voulais pas regarder du gameplay. Parce que je m'attendais à avoir vraiment sport en fait. Quand les gens disaient ouais c'est full plagié de sport et tout, nanana, je m'attendais à avoir sport à fond alors qu'en fait c'est juste ils ont rajouté du coup une mécanique de gacha, de... Enfin ils ont pris sport, ils m'ont foutu un truc de gacha RPG, jeu de gestion où tu vas faire ta base visiblement. Avec des gros textes en gros comme si j'avais 54 ans et que je savais pas lire. Désolé si vous avez 54 ans, j'ai rien contre les gens qui ont 54 ans. Je peux même pas me barrer de là. Ah je peux même pas me barrer de là. Je suis obligé de t'attaquer? Non, je peux partir. Non, bah écoutez, on va chasser là-dessus. C'est vrai qu'au final, comme ça, le jeu me paraît un peu bizarre. Parce que moi, j'aimerais bien customiser ma bestiole, aller me battre et tout, vraiment, quoi. Alors que là, jusque-là... C'est quoi ce gros bâton? Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais attends, mais... C'est vrai que j'avais des griffes, mais est-ce que je serais pas plus rapide avec mes... Ah non, les griffes c'est fini, j'ai débloqué le truc en x2 speed, ok. Vas-y, on va enregistrer, hein. On va enregistrer. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah c'est pas du tout sport en fait, hein. Juste ça garde un peu le délire d'évolution de... Voilà quoi, où tu vas te débloquer des parties du corps que tu vas mettre un peu comme tu veux, tu peux customiser ton personnage. Mais après ça s'arrête là, quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le jeu vous aura plu quand même, même si du coup on est sur un sport modifié, quoi, vraiment modifié, très mobilisé. Mais voilà, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne soirée, salut salut, bye bye.